Et c'est parti. On a la coque qui derrière va clignoter. Grâce à une intelligence artificielle, votre coque se transforme. On a vu pas mal de choses sur cette chaîne, pas mal de solutions d'accessibilité. Une coque pour iPhone, pour un Galaxy S24. Cette coque de la marque Creative Case, pour moins de 20 euros, vous allez pouvoir bénéficier de ce genre de coque. Une coque équipée d'intelligence artificielle et vous allez pouvoir personnaliser cette coque à volonté. Grâce à une application accessible sur iOS et Android, je vous présente donc les toutes nouvelles coques de chez Creative Case pour iPhone 15 Pro Max, pour iPhone 14 Pro et pour les Galaxy S24. On passe tout de suite au déballage. Je vous montre le fonctionnement de l'application. Grâce à cette application, vous allez pouvoir personnaliser votre coque à volonté en prenant des photos. Et si cette vidéo vous a plu, pensez bien à la fin à liker, partager et à vous abonner. C'est parti! Imaginez-vous pouvoir imprimer sur votre coque n'importe quelle photo, telle que cette photo sur votre coque ferait vraiment un bel effet. Eh bien, c'est entièrement possible avec l'application iPhone Case, donc AI pour intelligence artificielle. C'est parti et regardons ensemble. Imaginez une coque entièrement personnalisable sur votre iPhone. Voici donc le résultat. Vous avez envie d'une personnalisation automatique. On est sur un écran de 9 cm. Et regardez le résultat, il est assez sympa. Et ça, on peut le faire à volonté, comme on veut. La personnalisation est vraiment géniale. Vous pouvez mettre par exemple les photos de vos petits-enfants, les photos de vos souvenirs de vacances, etc. derrière votre coque. C'est vraiment super. Voici le package, comment vous allez le retrouver. D'ailleurs, je vous mettrai tous les liens en description. On a donc un très beau package avec de belles finitions. Quelque chose de très premium. Ici, lorsqu'on ouvre le package, voilà, la coque va arriver avec un arrière-plan en verre. L'écran ici de 9 cm et on sera sur un écran qui s'imprimera avec de l'encre. En fait, tout à fait, c'est quatre. Il y a quatre couleurs d'encre. Donc c'est assez sympa. La coque est bien protégée. On a ici, comme vous pouvez voir, une protection par rapport à l'écran pour l'appareil photo. Et sur les boutons, on a vraiment de très belles finitions. La coque en elle-même est vraiment très bien faite. Elle est vraiment très solide. Elle ne se casse pas. À l'intérieur, on a de la fibre de verre. Et cette coque, très étonnant, elle travaillera en NFC. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir imprimer ce dispositif grâce à une petite étiquette NFC qui va faire passer le message pour imprimer tout simplement la photo que vous désirez. Alors déjà, à partir de l'application iPhone Case, donc AIPHONECASE, eh bien, vous allez avoir tout un tas de photos déjà pré-rempli, vous avez des scènes, vous avez différentes sortes de photos qui sont déjà à l'intérieur, mais vous allez pouvoir gérer vos propres photos dans cette petite case, vous mettre, par exemple, mettre un logo, mettre vos petits-enfants, mettre votre maison, votre chien, votre animal préféré, et tout ceci, vous allez pouvoir le faire comme vous le sentez au moment que vous avez envie, vous allez pouvoir changer l'arrière-plan de votre coque. Et tout ça, vraiment, c'est génial puisque ça se fait instantanément. C'est impressionnant. Au niveau des boutons, donc de volume, vous allez voir, une fois que l'iPhone est dans la coque, les boutons ressortent bien et on a vraiment accès aux boutons. La coque est très fine. À l'arrière, on voit que pour le côté donc de l'USB-C, il n'y a pas de problème. On a un très beau découpage et on voit les petites grilles qui font ressortir le son. Une coque très quali, une coque qui vraiment, je vous conseille si vous avez envie de personnaliser
votre iPhone, votre Galaxy S24 ou votre iPhone 14 Pro. Malheureusement, pour l'instant, il n'y a que ces smartphones qui sont pris en compte. Je vous ferai un petit post lorsque la marque me dira que ils ont sorti plus de coques pour plus de téléphones comme les iPhones ou les smartphones sous Android comme les Samsung, Pixel, etc. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'une telle coque. On va tout de suite passer à l'application et pour utiliser cette application, il vous faudra dans un premier temps avoir créé un compte avec une adresse mail et un mot de passe. Il faut une case. On va ouvrir l'application. Il faut caméra. Une fois que vous avez créé votre compte, tout simplement, vous avez plusieurs possibilités. Anime, onglet 2 sur 7. Vous avez donc différents onglets, l'onglet animé, Sélectionner et onglet 1 sur 7. l'onglet AI, donc AI, intelligence artificielle, Anime, onglet animé. sélectionner. Anime, onglet 2 sur 7. Donc comme vous l'entendez, c'est accessible à VoiceOver, il n'y a pas de problème. Il y a plusieurs donc possibilités. Image, Donc image. après ce sont des images, donc attention, il faut quand même savoir si vous êtes une personne non-voyante, quelle image vous avez face à vous. Et là, par contre, VoiceOver est malheureusement pas capable de vous le dire. Image. Sélectionner. Anime. Même. Onglet 3 sur On a 7. mer. Sélectionner. Même. Onglet 3 sur 7. Et vous voyez, on a quand même plusieurs possibilités d'images. On peut faire et on peut mettre en place pas mal de choses très intéressantes comme on l'avait mis sur cette coque de l'iPhone 15 Pro Max. Sélectionner. Même. Poésie. Onglet 4. Sélectionner. Poésie. Onglet 4 sur 7. On a l'onglet poésie, tout simplement. Vous allez pouvoir mettre du texte derrière votre coque avec une petite image. Par exemple, si vous voulez mettre un logo et marquer par exemple Vision High Tech, vous êtes capable de mettre ce logo. Ici, regardez, j'ai mis une petite souris. Festival. Onglet 7 sur 7. On a un Sélectionner. onglet Festival. festival. Onglet. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Quand vous choisissez une image, tout simplement, l'image apparaît. Une fois que l'image est apparue, tout en bas, vous avez différents onglets. Vous allez pouvoir jouer sur la luminosité, sur les contrastes. Vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Vous allez pouvoir justement créer une coque qui vous ressemble. Grâce à ce genre de coque, vous allez pouvoir personnaliser votre iPhone. Vous aurez un iPhone qui vous ressemble comme vous avez envie. Vous voyez donc, une fois que c'est personnalisé, vous validez. Et une fois validé, tout simplement, vous allez appuyer sur, si je valide sur le bouton écran de tir, Écran de tir. je le valide. Image. Écran de tir. Écran prêt à détecter en tête. Prêt à Ici détecter arrive en donc tête. le NFC. Vous voyez, on a le NFC qui arrive et derrière l'image qui est en train de changer. Regardez, c'est vraiment très impressionnant. La personnalisation de ce genre de coque, c'est vraiment très très bien fait. Regardez, l'image va arriver. On va entendre un bruit comme quoi le NFC est bien passé. Il faut une case, bouton, retour. Voilà, donc l'image c'est bien. Comme vous avez pu voir, tout cela est super réactif. On peut aller très vite. On a tout simplement à les valider ici pour avoir, regardez ici tout de suite, l'application, le NFC se met en marche et derrière on a tout de suite le petit encart qui se met à clignoter. Vraiment, c'est énorme. Une coque intelligence artificielle AI Phone Case. C'est vraiment génial de pouvoir personnaliser comme ça sa coque avec différentes possibilités. Vous allez même pouvoir mettre vos propres photos. Ça, c'est vraiment super cool. Donc comme vous le voyez, on a plusieurs onglets où on pourra donc s'amuser, avoir des animés, on pourra mettre du texte sur différentes images. C'est vraiment franchement génial. Rien à redire sur cette application, à part côté accessibilité avec VoiceOver ou Talkback. On est sur des images, donc normalement vous savez que VoiceOver ou Talkback ne va pas vous décrire correctement ces images. C'est ce qui est un peu embêtant. Par contre, vous pouvez vous faire aider sans problème pour avoir des petites icônes comme celle-ci ici derrière votre
votre iPhone, vraiment très sympa. Vous pouvez utiliser, comme je vous l'ai dit, vos propres photos. Ça, c'est vraiment génial. Vous voyez, ici, on a des petits trucs vraiment cool. Très cool de pouvoir personnaliser comme ça la coque de son iPhone. Regardez ici, on va avoir le NFC. Et c'est parti. On a la coque qui derrière va clignoter. Grâce à une intelligence artificielle, votre coque se transforme. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc c'est une coque intelligente qui va donc changer au fur et à mesure de vos humeurs. Voilà pour la présentation donc de ces toutes nouvelles coques, les Creative Case. Je vous mettrai donc tous les liens en description. Merci d'avoir pris du temps sur la vidéo et surtout prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles astuces. Salut à tous!